Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, moi ça va pas mal. Donc avant de commencer cette nouvelle petite vidéo sur The Last of Us, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les petites cloches de notif, comme ça vous savez quand je mets des nouvelles vidéos, et puis on va pas traîner, allez c'est parti! Bon, nous voilà dans un petit couloir en direction. La salle d'opération est censée être Ellie, parce qu'à première vue, il y a Joël qui était dans les parages. Si vous vous rappelez, dans le premier épisode, The Last of Us, le premier, ben justement, on tue son père, à première vue. Voilà, donc il est bien mort. Donc maintenant, on sait pourquoi Abby a voulu tuer, enfin, a tué Joël. Ah bah voilà, Joël, un lève-toi, petit putain. retour en arrière. Pitié, fais pas ça. Pitié, non, fais pas. Joël, allez, lève-toi. Putain. C'est un moment difficile pour moi, je l'avoue. Va au diable, Pendero. Hey, oh, qu'est-ce que tu fais? Manny, je fais le ménage. Non, 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 on est là pour lui, c'est tout. C'est trop risqué de le laisser partir. Non, mais tu t'écoutes. Il a raison. Il faut finir ce qu'on a commencé. Si on les tue, on vaudra pas mieux que lui. Ils ont rien fait de mal. Ah ouais? T'as vu ma gueule? Je l'emmerde ta gueule. T'aurais dû monter la garde là-haut comme je te l'avais dit. Bouge! Recule. Tu te calmes. Ou quoi? Recule, putain. Calmez-vous. Jordan. Tu vas me buter. Stop. C'est fini. Ah ouais, c'est fini. Et ce sera fini aussi pour toi le jour où on arrivera à te choper. Même si c'est triste pour Abby, c'est comme... Ellie, on joue avec Ellie, donc c'est elle l'héroïne. Abby? Oh. Du calme. Ça va pas, Abby? Ouais, ça va. Et toi? Je t'ai cherché partout. On a besoin de nous. Isaac nous demande sur le front. Quoi? T'es sérieux là? J'en ai bien peur. Faut qu'on y aille. Quoi, là, tout de suite? Ouais. Vamonos. Ok. Bon, ben, nous voilà de nouveau avec Abby. Oh, j'ai le cou en vrac. Au fait, merci de m'avoir laissé la chambre hier soir. De rien. C'était qui cette fois? La fille qui cuisine? Eh ben en tout cas, ils ont un putain de centre comparé à Jackson, hein. Elle a quitté sa montagne. Oh, salle de sport, alors. Ils sont bien... bien lotis. Sauf qu'elle est un peu trop obsédée par son boulot. Elle a pas arrêté de me parler d'une tempête et... je sais plus quoi. Et ça valait le coup? Oh, carrément. Je peux mourir heureux maintenant. Tu m'étonnes. Bon. Tiens, ils ont même une école. Bah tiens donc. Bon, à Jackson aussi, mais bon. Bonjour, mademoiselle pote. Bonjour, Manny. On va bien voir où c'est qu'on se trouve. Un gentleman sait tenir sa langue. Alors, il y a une espèce d'hangar, mais voilà. Mon père, deux secondes. Tu me prends à manger? Ouais, d'accord. Prends-moi un truc comme picante. T'auras ce que t'auras. Le Scar est à genoux. Tu vois? Il est en train de prier. Autant de te revoir aussi, Abby. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Ah, il y en a un qui a fait discuter avec nous, mais ça parfait, donc pas grave. Bah, de la barbaque, il y en a, dis donc. Alors, par où est-ce qu'il faut qu'on lui prenne quelque chose? Ah. Donc, il va essayer de discuter, voyons voir. Il y a quoi au menu? Des burritos, encore. Ok. Abby, qu'est-ce que tu fais?
Hey, tenemos prisa, dame tres burritos. Et dis donc, tu pourrais faire la queue. Tiens, Manny, ça se fait pas. Excuse-moi. Bah bravo. Comme tout le monde. C'est propre tout ça. On passe devant tout le monde. C'est hyper embarrassant. T'en prends trois. Prends-en un. T'énerve pas. Mel vient avec nous. Ah, Manny. Mel. Ah, c'est celle qui est enceinte, c'est juste. Il est où ton sac? Dans la chambre? Pourquoi tu me fais ça, hein? Parce que vous êtes mes amis. Et que j'en ai ras le cul de vos histoires. Elle est au courant que je viens, au moins? Ouais. Et elle est d'accord? Ouais. Pourquoi quand tu dis oui, j'entends non? Peut-être parce que j'articule mal. Allez, arrête un peu d'être parano. J'ai l'impression que ça t'éclate de me mettre mal à l'aise. Non. C'est juste l'occasion de faire la paix et enfin passer à autre chose. On s'est à peine adressé la parole depuis Jackson. Je suis censé faire comme si rien ne s'était passé? Bien sûr que non. Faut juste que vous en discutiez. Elle voulait la peau de Joël tout autant que nous. Mais tu sais bien qu'elle est pas comme nous. Elle avait encore jamais fait un truc pareil. Tu parles, elle... Elle tue des scars à tour de bras. Ouais, mais pas comme on a tué Joël. Je te rappelle qu'on est des troufions, nous. Elle, elle est médecin. Fais un effort, Abby. Elle fait partie de la famille. Fais-le pour moi, d'accord? Je vais essayer. C'est tout ce que je demande. On n'est pas vraiment dans un entrepôt, vu qu'il y a des chambres. Bon, on va rentrer, on va voir si... Non, c'est la chambre d'Abby. On va récupérer le sac. Ouais. Sois gentil. Va chier. Oh, ok. Ils sont dans un stade. Donc en fait, à mon avis, c'est Lodge VIP modifié. En chambre. Pas l'air de ça, en tout cas. Hein. Une scientifique, hein? Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau parent? Non. Je ferai ça plus tard. Alors, le sac, par où il est? Pas par là. Une jolie vue quand même, faut pas déconner. Hein. Ah tiens, l'œuvre là. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Toc toc. Alors, t'es prête? Ouais, j'arrive. Salut. Salut. Ils t'ont déclaré apte pour le service? Pour l'instant. Ils te mettront au repos, si tu demandes. Non, je préfère rester active. Et Owen est d'accord? Il devrait décider à ma place. On prendra Alice en partant. Alice? C'est qui ça, Alice? Essaye encore. Bon, donc, qu'est-ce qu'il y a encore à prendre? Rien. On va voir là, c'est sûr. Allez hop, on suit. Ils ont fait un joli petit truc, dis donc. C'est juste une patrouille de routine, t'inquiète. Et ça t'embêterait d'aller voir mon père à ton retour? Il a l'air... je sais pas... mal en point. Comment ça? En fait, il se plaint de fortes douleurs dans les poignets. Il peut à peine tenir une cuillère. On peut peut-être lui donner plus d'antalgique. Il paraît qu'Owen et toi, vous êtes dans la section 96. Ouais, c'est... Vous devez être impatient. Quel bébé arrive? Voir tous ses enfants courir partout. Ouais, je me prépare. En tout cas, c'est bien, c'est braille. Sympa. Owen doit devenir dingue. Il a encore joli petit quartier, on dirait. Il est en patrouille avec Danny. Danny? Aïe. Pas de bol. Ouais. Et ils ont bien réaménagé le stade, on dirait. Je parie qu'Alice a un chien. Vu qu'on passe dans un chenil, à mon avis. On emmène Alice. Ah ouais. Elle joue à l'intérieur. Bingo. Super. Abby, tu vas la chercher? Hé, hey, ma belle. Salut, grosse bête. Hey, oh, voilà le prochain chien. La seule qui te supporte, ouais. Sois pas jalouse, hein. Hé, hey, Al, tu veux voir les camions? Allez, on y va. Tiens, nous tiens un chien. Oh, salut, Grisou.
jouer à la baballe. Oh, ok, mais juste parce que t'es gentil. Ah, je suis qui le meilleur. Utile gratuit d'abord. Mieux. Ouais. Ah ouais. Bon, allez. C'est parti. J'en peux pas. On va continuer. Des moutons aussi. C'est possible. Quel tombeur. Qu'est-ce qu'elle fait en ville? Un truc pour Isaac. La vache, elle a trouvé le temps long là-haut. Ça a l'air de lui plaire. Tu l'entendrais parler de Cumulus. Salut, Abby. Bon, tant qu'on avance, on regarde s'il y a deux, trois trucs à récupérer, mais à première vue, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais bien y échapper. Isaac. Ah, ok. Salut, Pat. Volt pour le loup, normal. WLF. Salut, Pat. Comme d'habitude. Ça marche. Gracias. Un seul pétard? Ah non, quoi, quand même. Prenez la S24. Je conduis. Tu signes. Pantero. Merci. Que ta vie soit longue. Que ta mort soit rapide. Bon, par où va-t-on maintenant? Je vais peut-être m'échauffer un peu. En tir? Eh, et si on se faisait un petit concours? Pourquoi pas, on peut essayer. On joue gros. Le meilleur sur un chargeur plein? Ok, cabron. On va voir si j'arrive à faire quelque chose d'intéressant. Ouh, elle est loin la cible. Alors... Elle bouge pas trop... Pas trop mal. Il bouge pas ou pas? Pour l'instant, je le devance un petit peu, hein, mais pas de grand chose. Ah, c'est fort, là. Allez. Ah. Allez, les. Là. Ah. Pas mal, pas mal, on dirait. Je l'ai battu quand même. La prochaine fois, je prends ce flingue. Ouais, c'est le flingue qui fait tout. Oh, d'ailleurs, il y a une tonne de vaisselle à faire. T'es pas cool. Oh, tu peux plier mon linge aussi. Bon, allez. On s'arrache. Faut qu'on aille à la base. Tu veux un truc à clignoter? Ah, bah tiens, des munes. Parfait. Le gentil chien. Non, toi aussi tu m'as manqué. Allez hop, on grimpe. Hé, hey, Alice va devant. Mel est enceinte. L'air frais lui fera du bien. Comme ça, vous pouvez papoter. Subtil. C'est parti. On se fait promener, c'est cool ça. On peut admirer le paysage aussi. Ce qu'ils ont fait de ce stade et des alentours. T'arrives à dormir en ce moment? Pas trop. Tu veux que je te trouve quelque chose à la pharmacie? Non, ça va. C'est pas grand chose. Non, j'ai juste besoin d'une pâtisserie. J'ai pris plein de sauce. Salut Manny, vous allez où? Au 2. Camion S24 au secteur 2. T'as vu ça? Pas mort sans rapide. On sort de l'enceinte, on va bien voir par où on va maintenant. On va bien trouver une petite saloperie à faire. Enfin, une petite saloperie va bien nous tomber sur le coin de la gueule. Non, Isaac dit que c'est pas une priorité. On pêche pas mal de saumon sauvage. Tu voulais dire quoi pour moi, Owen? Je l'ai pas vu depuis 2 semaines. Il arrête pas de prendre des missions.
Tu lui as parlé? Il t'a dit quelque chose? On se parle jamais. Enfin, je le croise au réfectoire, mais... c'est vite l'un l'autre. Jackson, là. Oh putain, on s'est tiré dessus. Embuscade ! Accrochez-vous ! Tuez les walls ! Ok, bon, je pense qu'il faut les descendre, bingo. Allez hop. Putain, ça va être pas ça plus long. Allez, bon, j'ai comme non. Allez, hop, petit deuxième. Il n'y a pas que deux quand même. Ah, quand même. Il y a deux autres là. Allez, allez, viens là. Allez, un petit coup. Il y en a partout, c'est pas possible. Allez, allez, tiens, voilà, hop, ça c'est fait. Que deux, ah non, il y en a un peu plus, hein. Putain, il y en a trop qu'un, non, c'est pas le bordel. Hop, ils sont loin, c'est bon. Allez, hop, trois, ah non. Il y en a partout, oh, c'est pas le bordel. Je vois pas qu'il part en fusée, pas bon. Bon, pour l'instant, il nous a... pas derrière, c'est pas mal. Alors, on en est sur le vent, putain, le bordel. C'est pas très mal, on peut les tirer dans le dos, ça c'est cool. Voilà, hop. Ça c'est fait. Combien? Ça sent des emmerdes. J'aime pas ça. Bon, je crois qu'il va falloir se tirer très vite. Putain, Oscar. On est loin de la base avancée. Ah, plutôt, oui. On est trop exposé. On va à l'intérieur. Allez hop, on se dépêche. Et hop, armé, protégé. Allez, on va sécuriser la zone. Alors, R3 pour la lampe torche. Bon, ça c'est fait. Un petit tour de reconnaissance quand même. Hey, Abby. Il y a assez de matos pour fabriquer un tuyau explosif. Ah. Compris. On aurait peut-être mieux fait de rester dehors. Non. Ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau encore par là? Un truc à récupérer, j'espère. Il y a plein d'endroits où se planquer là-dedans. Les gars. Ah. Ah putain. Qu'est-ce que c'est de beau, ça de ça. Et hop là, on récupère une bouteille. Il y a au moins deux kits. Alors par où sont ces petits infectés? Alors... ah, juste en là. Voilà. Il n'y en a pas derrière nous, ils sont devant. Ok. J'en ai vu deux ou trois en tout cas. Ah, il y en a un qui est juste là. Et gentiment pour choper celui-ci. Les... allez, voilà, ça c'est fait. Et crac. Voilà, un de moins. Je crois qu'il nous en reste deux. Un au fond là-bas sûr. Ah, on en a un autre là. On va chercher en furtif. Pour l'instant on en a vu trois, mais on sait pas s'il y en a d'autres. Allez, arrête, tu vas trop vite. Allez, viens là. Voilà. Voilà, il y a deux. Et l'autre de moi, juste là. Non. C'est Manny. C'est bon? Ouais. Bon, bah il l'a chopé. C'est vachement mieux que de picoler en regardant la télé. Hein? Non, rien. Alors, par où va-t-on? Alors, Mel qui est là derrière. Le trou absolu. Ah tiens. Hey, regardez là-haut. On voit de la lumière. Ah bah vu le trou, tu m'étonnes. Je vais monter pour voir ce que c'est. Alors, par où on peut essayer de grimper?
Par là, on dirait, peut-être. Ah ouais, c'est pas mal. C'est parti. Ensuite... Non, c'est pas le bon endroit. Ah, là, il y a la plateforme qui continue. Parfait. Ah, et qu'est-ce qu'on a de beau? Ouh, des munitions et tout du bordel. Des stimulants, ça c'est cool. On peut améliorer. Santé améliorée, parfait. Ça, c'est fait. Bon, il ne reste que 4 stimulants, donc on va pas aller bien loin. Alors, est-ce que j'arrive à sauter? Par là, ouais. C'est juste, hein. Ah voilà, hop hop hop, oh, il est bien. Ah. Oh, putain, ça sent les emmerdes. Enfin, claquer. Allez, 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 claquer, allez. Oh, putain, heureusement qu'on a le chien, hein. Putain, mais c'est blindé. Allez, hop, on va tous se les faire. Ça, c'est bon, il est fait. Bon, les autres là, allez hop, tiens, on peut ramasser, aussi, du premier coup, magnifique, d'accord, ah, on en a encore, oh, putain l'enfoiré, j'ai pas vu arriver, il est où, ah. Allez, bon, on va récupérer au moins un coup d'alcool, oh putain, puant, ça sent la merde, bingo, ça c'est magnifique. Il a pas fait long feu, hein. Là, on a des petites choses pour des explosifs, parfait. C'est fini? Ouais. J'ai le droit de dire que c'est une planque de merde? Ouais. C'était le cas. C'est une planque de merde. On y va. Alors, par où va-t-on? Continuer, hein. On va bien voir. Vu qu'il y a de la lumière. Il a trouvé quelque chose pour partir. Gars, j'ai trouvé un passage. Ah. Il y a une serre, mais c'est coincé. Manu. Je suis là. Vas-y, pousse. Honneur aux dames. Mais aux dames enceintes. Dans un mois, je passerai plus du tout. Vas-y, Abby. Bah, t'as dit honneur aux dames. Tu me plais bien, toi. Alors, où est-on? Dans une petite serre. Ok. Abby, ah. Ça me rappelle la serre de ton père. Je vois pas pourquoi. On va sortir les là-bas. Les plantes sont pas crevées ici. C'est pas faux. Est-ce que d'abord, est-ce qu'il y a un petit truc à prendre? On va faire vite un petit tour. Il y a quelque chose là. Une petite ressource, parfait. Il faut se faire pour prendre 6000 trucs. Ça va pas trop vite. Il y a une petite pièce. T'en as trouvé une autre? Ouais. Ouais. Hey, si tu sais pas quoi en faire, je connais un super jeu de tricole avec des pièces. Il y a plein de petites choses aussi qui étaient cool. Peut-être plus tard. Il y a encore autre chose par là. Parfait, des petites ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, rien. Hop, bon. Par contre, je pense qu'on peut passer par là-bas en haut pour ressortir. Parfait, parfait, parfait. Je l'ai vu en tout cas. La base est droit devant. Pas de car en vue. Ils sont là. Ouais. Allez, on continue. Bon, on va gentiment arrêter par là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao.